Attention, les stations en fréquence pour le QSO du canal 27 du Sud-Ouest. Les bonnes soirées 13:51 à vous tous de la part de Nadi 33. Et on est ben, le dimanche matin 27 août, il est 10h. Bah ben oui, hein, le dimanche matin c'est fait pour la grasse matinée, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a pas de QSO ce matin. Marc, ce sera plus simple comme ça. C'est vrai que descendre sur les 40 canaux, ça donne des allergies à pas mal de monde. Hein. Ah bah, quand vous serez décédé, hein, on verra bien ce qu'on fera. Salut Fredo, eh bien j'étais sur le point de QRT, vu que tout le monde a l'air de vouloir faire la gueule ici. Après ils viendront dire qu'il n'y a personne. Ah, je suis trois coups, surtout que là j'ai entendu qu'il y avait de la propag plus haut. Hein. Ok, comment vas-tu? 73, Rémi, il écoute, ça va, voilà, comme j'avais dit à Eric hier soir, que j'ai eu en fin de soirée, là, je suis venu un peu tard. Il y avait personne. Il a quand même chopé au vol, que l'heure il était. Hein. Voilà. Je faisais un petit effort pour venir ce matin vous retrouver là, étant donné qu'en plus j'ai personne à la maison. La maison est calme là, donc j'en profite pour me mettre derrière le poste. Voilà. Donc écoute, ça va à peu près. Hein. J'ai fait une bonne nuit, j'ai fait grasse mat, et puis voilà, j'en ai profité pour faire un petit tour dehors pour arroser un petit peu parce que c'est relativement sec. Ici là, je pense qu'il va faire chaud encore aujourd'hui. Donc voilà, et puis là, je suis à la radio depuis le temps. Voilà, retour à Paris. Ok, les 73 retournés. Et oui, puis là, vu comment c'est parti aujourd'hui, ça va encore cuire. Hein. C'est vrai que là en ce moment tout est sec, hein. On n'a pas une goutte d'eau, on n'a rien. Et tout est en train de crever là pratiquement. Là, c'est, et puis comme on n'a pas le droit d'arroser, ça aide pas trop, quoi. Ah chi. Ah oui, mais ben ouais, oh ouais, mais moi tu sais, je vais te dire, je... Bon. Comment dire, ça me rend triste, voilà.
va avoir de la flotte là en fin de semaine. J'ai regardé la météo hier soir là en me couchant, c'est annoncé jeudi vendredi un peu de flotte. Je crois que là, ça a fait un énormément de bien, et puis je l'attends avec impatience. Hein. Voilà, bon, on verra bien. Hein. Voilà, voilà. Bon, quoi du neuf. Oh, ah, je crois que j'ai. Attends, je crois que j'ai entendu un truc. Ah non, d'accord, c'est une petite montée de QRM. Quoi de neuf? Oh ben, pas grand-chose, à vrai dire. Avant-hier, il y a une propague, si, quand même. Avant-hier, il y a une espèce de propague de folie, là, sur tous les départements français. On a pu enchaîner les contacts, mais à l'appel. Hein. C'était vers les coups de 15h, 15h30, ouais, dans cette fourchette-là. Hein. Là, ça durait un bon moment. Et moi, j'étais de sortie, j'avais un truc à faire là. Et sur le retour, du coup, je me suis mis sur la colline là, à côté de chez moi. Et puis, allez, hop, c'est parti, hein. Puisque j'ai même eu, Tony qui est sur Orléans. Depuis le mobile, je lui arrivais quand même à 9 plus 20, 9 plus 30. Hein. Alors, ça t'en dit beaucoup sur la propa qu'il y avait avant-hier. Hein. Ah ben là, là pour moi, ben encore, elle a encore 3 nuits de pro, hein. Donc là la semaine qui vient, et après ben ça sera vacances. Et là on n'a pas trop prévu de partir là cette année. Hein. Là j'ai pas mal de trucs à faire là au QRA. À chaque fois ça traîne, arrivé à un moment donné où là ben faut dire stop, hein, et puis faut s'y mettre. Hein. Voilà, donc on va plus passer les vacances à ça, là, à faire les différents travaux qu'il y a à faire. Et puis après, ben on verra. Hein. S'il reste du temps libre, si il y a des sorties de prévues, sorties familiales, hein, comme le premier week-end de septembre. Voilà, on doit être en famille. D'ailleurs, je sais même pas si je pourrais être pour le QSO. Hein. Enfin, on verra bien, ça dépendra du temps, puisque là, on a des réunions familiales, enfin, bouffe, pour faire plus court. Voilà, il y en a un qui, on a quelqu'un qui fête son anniversaire, ça, puis après, bon, ça, c'est le samedi. Le dimanche, on a un autre truc aussi de prévu, toujours au même endroit. Ben, c'est en Charente-Maritime, hein, à Marennes, hein. Voilà qu'on sera, hein. Donc, on va être pas mal occupé là dès le début, puis après, bon ben voilà, hein, les travaux, puis on verra ensuite. Hein. Ouais, ok, bon, j'ai laissé un petit blanc du sable, donc là, c'est les stations en même temps derrière, n'hésitez pas à briquer, on fait notre petit duo là avec Rémi, mais bon, n'hésitez pas au prochain passage à faire un petit break. Ouais, les travaux, ouais, tout comme ça, hein, j'avais plein de choses à faire pendant ces vacances, là, du coup, moi, de mon côté, je n'ai rien fait. Ah, voilà, j'avais fait un planning, j'avais tout bien isolé, là, pour faire pour entrer, des changements de programme, hein, carrément. On a fait carrément autre chose, on s'est fait plaisir, on a été faire un séjour au Futuroscope.
télescope là sur deux jours. On a fait des petites sorties à trois branches, mais surtout des trucs pour les gamins, quoi, pour les enfants. Et puis voilà, on a laissé tomber tout ce qui était travaux intérieurs, extérieurs. Voilà. De toute façon, dans le fond, il n'y avait franchement pas trop envie. J'étais fatigué de la reprise, de repartir dans la vie active, ça m'a complètement décidé. Donc les travaux, on a dit, bon, mais on verra ça plus tard. Hein. Voilà. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe aussi, et puis, ah, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je lâche un petit peu, là, côté CIBI, côté Internet, hein, là, un petit peu tout ça, pour me concentrer, pour me recentrer plutôt sur les travaux perso, quoi. C'est vrai que l'YL, c'est là qu'elle a tendance à aller, on va dire, entre guillemets, venir me taper un petit peu sur la tête. Je suis trois coups. Je fais trop d'un côté et puis pas grand chose de l'autre, quoi. Ah oui, putain, moi à chaque fois qu'elle tendance à parler trop fort dans le micro, peut-être que j'étais un peu trop de biais, voilà, là j'ai le micro qui est bien en face de moi. Et je regardais là le Santiago, c'est pareil, hein, c'est un Santiago de 2. Le QSO qui est derrière, ouais, il est là depuis bien avant 10h, hein, déjà. C'est un QSO étranger, si c'est bien le même que je pense, ils sont également en BLU. Hein. Et c'est comme tout à l'heure, là plus haut, sur le 27 700 et quelques, je sais plus quoi, dans ces eaux-là, des Allemands ou des Anglais qui étaient en FM, hein, en QSO également. Comme quoi, là, ça passe un petit peu, là, il y a un peu de propag ce matin. Et là, entre deux appels, là, sur le canal 27, hein, je suis monté vite fait, là, sur le 555, et la propag est là, hein. Enregistrer le break. Oui, il y a eu un break. Avec ta permission, oh bah ça y est, n'importe quoi. En avant le break. Ouais, salut, juste un petit coucou, hein, je faisais un tour de galette vite fait. Hein. Pour vous envoyer les bons chiffres à tous, Rémi et puis tous les autres. Hein, je reste pas, c'est juste pour vous faire un petit coucou, il y a longtemps que je t'avais pas entendu, Rémi. Voilà, donc ben, je t'ai entendu, donc ben voilà. Bon QSO et puis plus, hein, j'ai pas mal de choses à faire, préparation pour midi, je suis à l'écoute
Ok Florent, voilà, je suis avec Fredo. Voilà, les 73 Florent, content de t'avoir entendu, c'est pareil. Hein. Mais bon, sur le fait que je prends moi le micro, je n'épiloguerai pas là-dessus. Il y a effectivement une raison. Hachi, retour sur Fredo. Ok, il est en train de te parler. Ton côté, si la solaire sent bon. Voilà, j'ai 73-51, Florent. Si tu m'entends, voilà, j'ai entendu que tu étais occupé là, tu aurais été à l'écoute. Ok, Fredo, Florent, t'entends pas du tout. Là, ça passe pas du tout de son côté. Donc, je vais faire le QSP. Florent, Fredo, là, t'envoie les bons 73-51. Et il a vite sauté sur son casque pour arriver à te sortir un peu. Retour, Florent. Voilà, pour midi. Allez, à plus, les amis. Et puis, merci de m'avoir permis de rentrer un petit peu vite fait dans le QSO. Allez, ciao, merci, à bientôt. Ah mais au contraire, et dommage que tu ne sois pas plus présent, quoi. Voilà, alors bien au contraire. Ok, les 73 à toi, à plus. Allez, ciao, merci Rémi, mais bon courage pour la suite, salut. Ah ben je crois que la suite, là on n'est que deux en QSO, on a déjà pas mal parlé, il est déjà 10h25, ouais, donc si personne ne vient, ce sera comme Fredo, hein, je suis, hein. Comme Fredo voudra, je veux dire, je suis. Ouais, ok. Et au fait, Rémi, il est où parce que j'entends très très petit. Fredo, il est d'où? Alors, Fredo, tu as à peu près à combien de kilomètres au sud de Bordeaux? Ah, bonne question. Ben, je m'en rappelle plus. On va dire une vingtaine de kilomètres au sud de Bordeaux. On est à peu près dans le même axe, hein, sur le sud de la région bordelaise. Sauf que lui, il est de ton côté, et moi, je suis carrément à l'opposé, la rive gauche, sud de Bordeaux, une vingtaine de kilomètres à peu près tiré, voilà. Ouais, il est à peu près à 20-25 kilomètres au sud de Bordeaux. Hein. Donc il a, eh oui, il y a tout le côté rive droite là qui lui fait écran. Mais je suis étonné parce que moi il passe, hein, chez moi. Hein. Et c'est pour ça que je suis étonné. Là, je dois être dans un bon couloir là pour lui. Hein. Retour Florent. Ouais, ouais. Non mais en plus j'ai une surmodulation là. Il doit être, je crois qu'ils sont en FM ou en AM derrière. Hein. T'as vu, il y a une propagation qui monte là d'enfer. Hein. Malheureusement, je pourrais rien faire du tout. Et c'est bien dommage. Hein. D'ailleurs, il y a une grosse propagation, je crois que c'est vendredi après-midi. J'ai écouté ça mais sur Facebook, là, les uns et les autres, ils sont bien régalés, j'ai rien pu faire. Bon, j'étais au pro, hein, cela dit. Voilà, enfin bon, ben, c'est comme ça. Allez Rémi, je te laisse, je me fais pas plus long. À plus, mes amis, et puis, bon fin de week-end. Hein. Ciao. Ok Florent, oui c'est ça, c'est vendredi après-midi vers les environs de 15h et même un peu avant. Ça passe, là, les départements français, ça passait, mais fallait voir comment. On attrapait les QSO à l'appel. Et mieux que ça, si tu as regardé ma vidéo, même en AM, ça, les départements français passaient, puisque j'ai attrapé un routier qui était sur le département 59. Plus quelques autres sur d'autres canaux en AM. Donc la propagation était vraiment, vraiment, vraiment là. Hein. Ok Fredo, les 73, n'importe quoi. Ok Florent, désolé Fredo. Ok Florent, les 73 à toi et bonne journée. Ok, merci, merci, merci. J'étais avec le 9009, hein, entre parenthèses, t'as dû reconnaître hein, le bip derrière. Allez, il faut qu'il fonctionne de temps en temps. A plus, merci. Ok Florent, retour Fredo. Ouais, enregistrez le break. Ok. Bon, enregistrez le break. De mon côté là et je crois que lui il m'a jamais entendu pareil hein. Voilà, ça passe dans un sens, c'est comme ça. Bon, bon alors, as-tu des nouvelles de ce fameux
WebMDR là, parce que là, je m'inquiète un petit peu là de mon côté. J'ai pas osé non plus prendre de nouvelles sur le dos pour pas trop l'embêter, de peur qu'il soit harcelé. Enfin, c'est ce que je me dis, hein. Tout le monde doit se sauter dessus, voilà. Donc, est-ce que tu peux m'en dire peut-être un peu plus, hein? Ok, enregistrer le break derrière, je te passe le micro dès que j'ai répondu à Fredo. Fredo, t'inquiète pas, c'est moi qui me fais harceler pour le coup. Ah, je suis trois coups. Alors, ce qui se passe, c'est le PC portable là, qui gère le web SDR. Bon, il a son alimentation externe qui a lâché. Et il est en train de résoudre le problème via un OM sur le forum, là, qui va lui en envoyer une. Donc, le temps que le courrier arrive chez Ludovic et qui mette ça en place, et ça devrait être à nouveau bon. De toute façon, dès que c'est bon, on fera signe un peu partout, hein. On avertira tout le monde et puis voilà, quoi. Alors, il y a eu un break, avec ta permission, en avant le break. Il est où? Et il est où le break? En avant le break. Bon ben d'accord, il n'a pas eu la patience d'attendre là quelques instants. Bon, c'est pas grave. Retour Fredo. De toute façon, là, on surveille. Je viens quand même de regarder à l'instant même, là, pour confirmer que le WebSDR est toujours pas en route. Donc, ouais, c'est le temps qui reçoive là, la nouvelle alimentation envoyée par un OM du forum et qui remette ça en route. Voilà, c'est ça. Et, alors, d'après ce que j'ai compris, il veut faire un petit backup en même temps. Donc, à voir. Peut-être que ça mettra une journée de plus que prévu. Bon, maintenant, on n'est plus à ça près, hein, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est qu'au bout du compte, on le retrouve. Et puis voilà. Par contre, là, je m'aperçois que plus la propague est en train de monter derrière. Là j'ai une vague là de propague en FM ou en AM, je sais pas trop. Mais c'est un presque couvert. Donc, avant de te perdre complètement, je vais t'envoyer les bandes 113-51 à toi. Merci Fredo pour le QSO, car là, je m'attendais bien. Là, j'étais à deux doigts d'aller voir plus haut là ce qui se passe, ou sur d'autres bandes. Et heureusement que tu es arrivé, qu'on a pu faire quand même quelque chose. Merci à toi Fredo, hein, les bandes 113-51 et le bon dimanche. Et essaie de profiter un peu de la propague, car elle a l'air d'être là. Hein. Yeah.
Il n'y a plus grand chose. Merci à toi aussi du contact là. C'est plaisir de t'entendre sur les ondes. Hein. C'est quand même plus de t'entendre sur les vidéos. Direct live. C'est quand même très plaisir de prendre le micro de temps en temps comme ça. Voilà. Et merci encore. Hein, je salue aussi au passage là derrière, si tu Ok, ben tu vois, hein, c'est vraiment limite, hein, puisque là je te reçois à Santiago 1, voire un petit peu moins maintenant. Donc les bains sont 13 retournés, bon dimanche et profite bien de la radio. Merci, bye bye. Oui, bye bye les stations derrière aussi, merci. Je ne sais pas qui c'était. La propague. Call 2 4 9 0 8 7 0.